frame. Mon nom, c'est Alexandre Leclerc-Groux. Je suis un membre d'E6 Productions. Mon nom, c'est Nathalie Patry. Je travaille à l'hôpital Pierre-Jeannet comme éducatrice spécialisée. Nathalie Romain, c'est mon fils Jacob. Jacob Parent, il s'est suicidé le 1er janvier 2018, à 17 ans. Mon expérience avec le suicide, c'est que depuis quelques années, je vis avec ça, dans le fond. On appelle ça plus, dans le fond, le mal de vivre. Vu que j'avais, on peut appeler un gros orgueil, je voulais pas nécessairement parler au début, puis je le gardais ça en dedans. Puis à un moment donné, l'accumulation des choses ont fait en sorte que il y a une partie de moi qui était juste tannée, puis qui voulait passer à l'acte. C'est un combat constant que je dois faire pour essayer de me convaincre de rester. Qu'est-ce qui peut déclencher des pensées suicidaires chez les gens? En fait, il n'y a pas un déclencheur. On va parler, en gros, de moments critiques. Il y a différents moments critiques qui vont amener une personne suicidaire. C'est un passage, c'est une période, c'est quelque chose où la personne va vivre un moment où elle a l'impression qu'elle sera qu'il n'y a pas d'issue. Elle va regarder son passé, elle va juste se remémorer les moments où c'était difficile, elle va se remémorer les moments où elle a eu des échecs, les moments où elle a eu des conflits, les moments où elle s'est séparée, les moments où ça n'a pas fonctionné pour elle. Elle regarde son présent avec beaucoup de souffrance encore, donc c'est comme si elle voyait la vie en noir et blanc puis que c'était juste du négatif, puis elle projette ça dans son futur. Ce qui fait en sorte qu'elle a des pensées suicidaires puis elle ne veut plus vivre son futur. Ma première réaction face à la situation, tu crois pas ce qui se passe. Surtout nous, de la façon que c'est arrivé. Surtout nous. C'est tout le monde, j'en suis convaincue. On était là, moi et mon conjoint, toute seule. Fait que t'es sur l'adrénaline, tu réagis. C'est comme si t'es engourdi, de la tête aux pieds. T'as comme un nuage blanc devant toi, puis t'es un robot. Tu fais juste avancer. À 17 ans, tu te demandes qu'est-ce qu'il y a pour, tu sais. Fait que c'était pas mal ça, comment on a réagi. Puis on n'a pas laissé non plus. Si on se disait, bon, un jour à la fois, une minute à la fois. D'ailleurs, ça fait 2 ans, c'est encore comme ça. Au début, je parlais à personne. Je voulais vraiment garder ça pour moi. À un moment donné, je veux pas, il faut que ça sorte. T'as beau le garder longtemps pendant des années, ça. À un moment donné, ça build up, puis tu peux plus le retenir en dedans. Un an avant, Jacob, il m'avait dit que. Il avait pensé s'enlever la vie. Puis moi, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup jasé. Ça a pris 2 mois, il a fait un 360. On le reconnaissait plus, il était impliqué, on avait de la visite, il venait s'asseoir, il jasait. J'ai plein de mes amis personnels qui me disaient « Mon Dieu, il est beau à voir cet enfant-là, il a changé un sourire. » Puis ça a duré un an. C'est comme s'il sauvait tout le monde, il dégageait la bonne humeur partout. Fait qu'on s'était enlevé complètement l'idée qu'il allait plus bien. Bien évidemment, le suicide devient un problème assez important dans la société, ça devient de plus en plus gros. Puis je pense que c'est important que tout le monde commence à s'entraider. Comment les autres peuvent aider une personne qui pense au suicide? Il ne faut pas hésiter d'aller vers cette personne-là, puis l'aborder, lui poser la question « Est-ce que tu penses au suicide? » C'est pas une question qui est facile à poser, mais c'est une question qui doit être posée quand on a des inquiétudes ou quand on voit un changement chez la personne qu'on aime, qu'on sait qu'elle vit quelque chose de difficile. S'ils n'en parlent pas, s'ils ne le disent pas, tu peux être avec eux autres 23 heures sur 24, puis l'heure que tu vas tomber endormi, ça peut être l'heure qu'ils vont le faire. Garder une communication ouverte, pas juger, puis c'est sûr que c'est épeurant de voir quelqu'un qu'on aime vouloir s'enlever la vie, mais cette personne-là a besoin de soutien, d'accompagnement, juste de présence humaine. J'avais un de mes très bons amis du secondaire, que je le connais depuis des années, que lui a vécu cette expérience-là. C'est la première personne à qui je l'ai dit. Je voulais vraiment parler à quelqu'un avec qui j'étais à l'aise au début. Plus tard, je suis devenu un petit peu plus proche avec ma sœur, puis je me disais que c'était bon que je parle avec quelqu'un de ma famille de ça. Puis elle m'a vraiment convaincu à aller voir une aide professionnelle. C'est là que j'ai commencé à voir un psychologue, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur un peu plus sur mon problème, puis pourquoi que j'ai ce problème-là. Ça m'a vraiment aidé à
comprendre plus de choses sur ma vie, pourquoi j'ai été dans cette situation-là, pourquoi je me suis mis là-dedans. Puis c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus. Puis j'ai commencé à plus parler aux gens. Parce que ça peut plus aider qu'autre chose. Right? Se sentir coupable, je te dirais que je pense que, comme parent, ou peu importe que tu sois un ami, proche, que tu sois frère, sœur, grand-parent, oncle, tante, tu as un sentiment de culpabilité à une certaine étape dans ton deuil. Tu te remets en question sur tout, tout, tout. Je me souviens d'avoir passé étape par étape de la minute que Jacob est né à jusqu'à temps que ça l'arrive pour te dire c'est quoi qu'on a fait de pas correct. Qu'est-ce qu'on a fait de différent avec lui? Qu'est-ce que, tu sais, pourquoi qu'il a passé à ça? C'était-tu un coup de tête? C'était-tu... Mais je comprenais pas c'était quoi dans ce temps-là. Je comprenais pas. Là, maintenant, aujourd'hui, après 2 ans, je peux dire que j'accepte puis je peux comprendre où... Je peux pas comprendre où il est allé, mais... J'ai tellement lu que je peux, tu sais, accepter. Puis je dirais que ce qui nous a aidés, c'est qu'on s'est entouré de gens qui nous aimaient. Les amis à Jacob, notre famille, puis on s'est laissé aider aussi. Comme dans toutes les maisons, il y a un détecteur de feu. Il n'y a pas toujours un feu, le feu n'est pas toujours là, mais quand il y en a un, le détecteur il est là, puis on est bien content parce qu'il nous sauve la vie. Ben, pour moi, c'est d'identifier aujourd'hui, même si ça va bien, même si ça va pas bien, d'identifier à qui tu vas en parler si tu penses au suicide. Puis de revisiter cette question-là à chaque année, comme on revérifie notre détecteur de feu à chaque année pour s'assurer qu'il fonctionne. D'identifier cette personne-là, d'identifier la ressource, mais à qui on va aller en parler, c'est prouver que quand on a un plan, si la situation arrive, on va agir en fonction de notre plan. C'est pas quand ta maison brûle que tu dis « OK, je vais aller chercher un extincteur de feu ». Il y a des journées où que ça arrive que j'ai pas de sentiment où je veux passer à l'acte. Il y a des journées où que tout va bien puis il y a pas rien de négatif qui se passe. Ces journées, les sentiments que j'ai pendant ces journées-là, j'essaie de m'y rappeler pour que quand j'ai des moments sombres de même, je puisse me rappeler « Non, ça peut aller bien ». Fait que c'est une question de se valoriser, tu sais. Une question de se redonner un peu d'espoir que comme on vaut quelque chose. C'est de découvrir des passions, des projets futurs, de découvrir quelque chose qui va t'allumer, qui va t'accrocher à la vie pour redéfinir ton futur. Voir qu'il y a des choses dans le futur qui sont possibles malgré cette souffrance-là. Et c'est un peu ça que la Fondation Lani fait, c'est de subventionner des projets pour les jeunes pour leur montrer que le futur, il sera pas toujours négatif puis qu'il y a du positif qui peut arriver. Mes trucs à moi, ben E6 est quelque chose qui m'aide énormément. Ça m'arrive souvent de réécouter les films qu'on fait parce que ça me prouve que hey, je suis capable de faire quelque chose. C'est depuis que je suis tout jeune, je lis les comics de super-héros. C'est mon père qui m'a un peu initié à ça. Puis un super-héros que je suis vraiment... qui m'a vraiment inspiré, c'est Flash. Il m'a vraiment aidé dans les moments les plus sombres dans le sens que... Je prends un exemple sur Batman, qui est un super-héros. Il est cool, Batman. Tout le monde aime Batman. Mais c'est un super-héros qui est très sombre. Même s'il aide le monde, c'est un symbole de peur, puis de colère, puis de tristesse. Tandis que Flash, oui, il a eu beaucoup de tragédies dans sa vie, mais à place d'utiliser ces mêmes émotions-là, il transforme ces émotions-là en quelque chose de positif, puis il amène le bien autour de lui. Ça a l'air niaiseux. C'est un comic, c'est un super-héros, c'est pas réel. Mais... l'idéologie de ce super-là est réelle. Je peux vraiment prendre les tragédies de ma vie, les transformer en quelque chose de positif puis aider le plus de monde possible. Les conseils, moi, je dirais que il y a personne qui vit un deuil à la même étape. Il y a personne qui vit un deuil de la même façon. Un jour à la fois, une minute à la fois. Parce qu'une minute, tu peux te sentir « Oh, je suis capable de faire un pas », puis l'autre minute, c'est comme t'es couché dans ton lit puis t'es anéanti complètement. Comme parents, si on a d'autres enfants, c'est de montrer que toi aussi, t'es vulnérable et t'es capable d'avoir des gros sentiments pour que tes enfants qui te restent, ils soient capables de l'exprimer aussi. Parce que dans une famille proche, tu veux te protéger. Fait que on avait les enfants qui voulaient pas nous montrer la peine qu'ils avaient parce qu'ils voulaient être forts pour nous. Puis nous, les parents, on voulait être forts pour eux. Mais comme famille, t'as chacun ton deuil à vivre. Faut que tu le vives parce que sinon, ça va te rattraper. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place là, pour sensibiliser la population à la prévention du suicide,
les messages d'espoir, des messages de pour les ressources d'aide, etc. Je pense que c'est une semaine qui est extrêmement importante. Elle se déroule depuis plusieurs années au Québec. Cette semaine, la prévention du suicide, par contre, c'est pas juste une semaine, ça se passe sur toute l'année. Ça a des impacts. Hein. Le taux de suicide au Québec diminue, à petits pas, mais il diminue, et c'est l'objectif qu'on a. Prends-toi quelqu'un que t'es à l'aise avec, que t'as confiance, puis que tu sais qu'il va être là pour toi, puis qu'il va t'aider. Oublie le « j'espère que je vais le déranger, j'espère que je vais... j'ai peur de le déranger ». Tu vas pas le déranger. Pour un problème comme le suicide, tu vas jamais déranger personne. Si la personne t'aime vraiment, si c'est ton ami, cette personne-là va pas vouloir que tu meurs. Fait que tu vas jamais le déranger avec ce genre de problème-là. Aie confiance en toi. Parce que... tu vaux quelque chose. Puis tu vaux quelque chose pour tout le monde.